Yo les gars, c'est GMGNO pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo, ça on va récupérer le grand et tout puissant Robert Lewandowski avec Lionel Messi, Totti bien sûr. Du coup là, on a les points comme vous voyez, hop, tac 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 tac, on peut avancer, tac, et il nous manque 20 points là. Vous vous dites GMGNO. Et ben on va dans le passe Totti, direct. Et là, 100 points. Attaquants Totti qui sont pour nous, hop, c'est bon, on les récupère. On va dans le truc Totti, là, hop, attaquant, on est à 880, ce qui veut dire qu'on les aura. Du coup, on commence d'abord par prendre Lionel Messi, ce qui est logique pour avoir les 4 points titulaires. N'oubliez pas déjà de liker, partager, vous abonner, ça m'aiderait extrêmement beaucoup, les gars. Du coup, on récupère Lionel Messi et les 80 points de Totti, on va faire le petit screen. C'est là, oui, capture d'écran, hop. Ok, j'en ai fait deux à la place de une, c'est pas grave. Ensuite, hop, Lionel Messi récupéré. Maintenant, je pense que je vais me focaliser sur ça. Ça pourrait être pas mal. Déjà, le petit logo plus, on prendrait les crédits. C'est pas mon compte, c'est le compte de mon petit frère, mais je l'utilise 80% du temps et lui 20%. Du coup, c'est un peu mon deuxième compte. Ensuite, du coup, là, on prend Robert Lewandowski et on aura un pack opening, les amis. Hop, 3, 2, 1, c'est parti, les gars. Robert Lewandowski et 200 points Totti qui font extrêmement plaisir. Belle carte, je trouve. Hop là, on récupère Robert Lewandowski, comme je viens de le dire, les amis. Et voilà, on le mettra après dans l'équipe. On va vite dans les Utodi, bien sûr, et bien évidemment. On va prendre un petit pack comme ça où on prend que des packs comme ça. Ça voudrait dire, on pourrait s'en prendre, si je réfléchis vite, 8. C'est-à-dire, on aurait, tac, là déjà 5, 6, 7, 8. Ok, on aurait 3 nuls. En vrai, ouais, on va ouvrir que des packs comme ça, les gars. On va ouvrir que des packs comme ça. C'est parti, les gars, premier pack, 3, 2, 1, c'est parti. Et le premier joueur va être Steve Mandanda. On continue, c'est pas grave. Et vous vous rappelez, je l'ai pas qu'à mon ancienne vidéo. Si vous l'avez pas encore vu, c'est quand j'ai récupéré Virgil van Dijk. N'hésitez pas à aller la voir. Allez, c'est parti, les gars. Thiago Emiliano da Silva. Belle carte. Pas belle carte, mais vous avez compris quoi. Est-ce qu'il a une belle carte? Ouais, 101 défense, parfait. Ensuite, 85 plus, on continue. Allez, une petite master, minimum une petite master, ça nous ferait plaisir, les gars. Troisième pack, et toujours pas de master, mais Matthias Ginter, qui ne rentrera pas dans ma team, même si j'ai fait une Bundesliga là. Et malheureusement, il rentrera pas. Quatrième pack, je pense, oui. Et c'est Thiago Marquinhos. Du coup, là, il nous en reste 4, les gars. Allez, c'est parti. 3, 2, 1, c'est parti. J'allais dire faut péter, mais vas-y, on fait après. Ok, Jamie Vardy, c'est plutôt pas mal. Allez, c'est parti, on va faire le 3-2-1, fait péter. Si ça fonctionne, c'est fantastique. 3, 2, 1, fait péter. J'ai bugué dans le fait péter. Et non, Mateo Kovacic, c'est pas vrai qu'on va pas avoir de master. Allez, gars, 3, 2, 1, je vous nique. La technique du Momo Gaming, est-ce que ça fonctionne? Et non. Nabilon. Dernier pack, les gars. Allez. On va faire comme d'habitude la technique de jump. Cette légende de Fumble qui fait plus de vidéos Fumble, malheureusement. 3, 2, 1. Fait péter. Et on n'aura pas de master. C'est pas grave. On aurait été plutôt gâté quand même. On va directement aller voir le prix de Léo Messi parce que. Je vais vous montrer sa team, vous comprendrez qu'il ne doit pas l'avoir. Ben, je vous retrouve dès que j'ai vu le prix de Messi. C'est bon les gars, je suis de retour. Du coup, il coûte 3 millions. Moins de 3 millions, je veux dire. Du coup, 2 millions 9. 2 millions 6. 2 millions 4. Oh là là. Il diminue vraiment Léo Messi. Tout le monde s'est acharné pour l'avoir. C'est comme Ronaldo l'année dernière. Hein. Du coup, on va le vendre à 2 millions 3. C'est pas très très grave. Oh ben voilà, le prix est mis. C'est bon. Du coup, on va le vendre comme ça. Après, hop, Marquinhos. Combien il coûte? 300 millions, on garde.
Lui, 600 000. Tiens, aussi, on va aller voir son prix, les gars. On va aller voir son prix, je vous retrouve dans... Bon, les gars, il coûte 400 000. Du coup, on va, au pire, on va les vendre comme ça. Oh, lui, moins de 200 000, on vend pas. Lui, on va le garder quand même, 200 000. On les garde des joueurs comme ça. Nabil Fekir, on garde, ouais. Pas, on va les garder. 184 000, on va garder. 87 000, on garde, bien sûr. Et lui, ouais. Bon. Et Robert, vite fait, 5 millions, il coûte à peine, ouais. Bon. Du coup, on va aller mettre directement dans l'équipe le petit Robert Lewandowski qui va remplacer l'ancien Robert Lewandowski. Ok, waouh. Ah ouais, les stats, il nique vraiment son ancien Robert. Ouais, il nique partout. Il nique partout, c'est fantastique. Sauf dans le collectif, lol. Du coup, tac. Je rêve où il a une petite barbichette. Ça n'a rien à voir, mais... Du coup, voilà. Est-ce qu'il va passer à 107 de général? Et on ira vendre en même temps Robert Lewandowski, l'équipe de la semaine. Je pense qu'il coûtera que dalle. Ce qui est logique. Du coup, là, parfait. Voilà pourquoi je vais pas laisser Messi. Et puis, je compte acheter un petit défenseur gauche canadien, Totti, là, qui se nomme Alphonso Davies. Ou peut-être Neuer à la place. Ou j'achèterai peut-être Neuer, je sais pas encore. Ouais, faut voir. Ici, on va. Ouais. Je voudrais aller voir un truc. Ça me trottait dans la tête. Est-ce qu'il coûte cher Sabitzer? S'il coûte moins de 1 million, je le prends maintenant. Sabitzer. Il coûte encore 5 millions, je vais mettre 1,5 million. Je pense qu'il va toujours être aussi cher. Ouais, bon, tant pis, c'est pas grave. Du coup, les gars, ça va être la fin de cette vidéo. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. C'était Jim Geno. Allez, gars, ciao et peace.